Et oui, tout le monde connaît Firmin Bouissé, qui fut un célèbre illustrateur, né à Moissac le 2 septembre 1859, au petit moulin du Bidounet. Et si on faisait une immersion un peu plus intimiste et ainsi nous projeter sur ce qu'a été son enfance? Imaginez le monde dans lequel il vivait, l'atmosphère étrange de ce moulin entouré d'eau. Son enfance bercée par les histoires que lui racontait sa grand-mère au coin du feu, tandis que juste au-dessous de lui résonnaient les meules faisant voler la poussière des farinales. Autour de cette maison, un incessant balai d'eau lui chatouillait les oreilles. Alors qu'un peu plus loin, cette chaussée de 300 mètres de long allant rejoindre les abords du moulin, déversant inlassablement des tonnes et des tonnes d'eau dans un fracas indomptable. Et dans ce chaos aquatique, arrivait à ses oreilles le bruit des cloches de Saint-Jacques qui appelait ses fidèles pour la célébration de la messe. Saules, violettes, peupliers bruissants, grands hommes, qui n'a pas rêvé d'un cadre pareil pour vivre pleinement son enfance et se construire un bel avenir, ce qui fut d'ailleurs le cas pour lui.